misty mountains cold, to dungeons deep and caverns old, we must away. Bonjour à tous, ici Classim, on se retrouve pour ce 18ème épisode sur Europa Universalis 4 en tant que Najd. Donc toujours avec notre GIA d'affaires. Donc on s'était laissé la dernière fois, c'était avant la nouvelle année. Donc bien sûr bonne année, hein, je vous l'avais déjà souhaité dans un précédent épisode. En tout cas, on s'était laissé, on savait pas trop où se tourner puisque les Mamelouks et les Ottomans avaient fait la guerre, les Timourides avaient rejoint bien sûr les Ottomans, et on se retrouvait avec une menace ottomane de plus en plus présente, et il va falloir réussir à prendre des territoires pour couper les Ottomans et éviter qu'ils continuent sur les territoires Mamelouks. Malheureusement, attaquer les Mamelouks, ça va pas être possible, surtout quand ils sont alliés à la Tunisie. Il nous faudrait au moins l'aide des Timourides, pas vraiment des Ottomans, parce que j'ai peur que les Ottomans prennent des territoires. En tout cas, il va falloir trouver un moyen pour faire en sorte qu'il y ait bien une guerre ici et que ça soit à notre profit. Alors j'en ai profité juste avant d'enregistrer cet épisode pour regarder un petit peu ce qui était possible de faire. Et c'est vrai que je m'étais pas trop penché sur la corne de l'Afrique en fait, hein, puisqu'on est en paix actuellement avec l'Éthiopie et avec Medribari. Mais on a une revendication du côté de Maréane. Et là on va peut-être pouvoir attaquer. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais annuler pour l'instant l'amélioration des relations avec mon vassal. Et puis on va attendre juste un petit peu, voir si on peut créer déjà d'autres revendications sur ce pays, et aussi si on peut bien sûr l'attaquer. Parce que plus on prendra des revendications, mieux ce sera. Ça nous donnera bien sûr des possibilités d'attaquer. Même si ces territoires n'ont que 1 de valeur de base, ça nous coûtera moins cher en administration, et puis ça nous permettra aussi de pouvoir tout simplement plus facilement les attaquer. Donc on va continuer comme ça. Là d'ailleurs j'ai pas fabriqué de falsification. On va en faire une sur Sana. Ça nous servira pour plus tard. Et on va essayer d'avancer comme ça. On doit continuer aussi la construction de nos bateaux. D'avoir une flotte plus importante, ça va être très important pour nous. En tout cas ça nous permettra d'avoir bien mieux au niveau de l'économie. Donc je pense qu'on va pouvoir... hop là. Nous ne pouvons plus revendiquer Badayat. Ça c'est où ça? Ok. Et on a perdu notre casus belli contre l'Irak. Peu importe, ça me va très bien. Donc il reste encore quand même 3 siècles pour pouvoir avancer et prendre d'autres territoires. Donc on va essayer bien sûr de faire en sorte. Si on peut faire exploser les Timourides, ça pourrait être sympathique, dans le sens où au bout d'un moment s'ils ont trop d'agitation, et eh ben ça pourra nous permettre peut-être de pouvoir gérer et de pouvoir leur prendre des territoires. Il faut savoir que c'est assez facile quand même de faire exploser les Timourides. Il suffit des fois de juste conquérir l'ensemble du territoire. Et ça va assez vite ensuite. Oui, on va gagner la puissance diplomatique. J'aimerais pouvoir avancer. Prouver votre légitimité, ça peu importe. Intégrer l'Irak. Et oui, attaquer, porter secours aux Bédouins de Man. J'aimerais bien... Vraiment, mais pour l'instant, il faut attendre que la paix avec les Mamelouks, ouais, en 1420, c'est pas avant un bon moment. Mais on va en profiter, nous, pour pouvoir attaquer l'Ethiopie, qui devrait arriver plutôt rapidement quand même, 1515. Donc ça pourrait permettre d'attaquer, pourquoi pas, Adjouran, le Yémen, en tout cas de se tailler une part de ce côté-ci, mais en attendant, eh ben, il va nous falloir prendre des territoires de ce côté-ci. D'ailleurs, la capitale ici est Galkayo, il va nous manquer, je pense, que très peu pour pouvoir déclarer la guerre. On va juste attendre le temps que nos bateaux se construisent, bien sûr. Et puis que notre économie redémarre. Voilà, notre économie déjà, je pense qu'elle doit remonter un petit peu. 5.5, c'est déjà pas mal. Même si c'est pas... Tiens, c'est un joli bug ça. Je me disais aussi... Voilà, on n'a pas la maintenance de l'armée à fond. Mais déjà, c'est grâce à notre commerce que l'on peut tenir à flot. Donc autant en profiter.
plutôt me permettre de perdre de la piété pour l'instant. Ouais, elle est à 0 actuellement, autant la maintenir, c'est pas très grave. Si on n'a pas le moral à fond, surtout c'est qu'il va falloir voir si on peut compter sur nos alliés pour pouvoir attaquer. Légitimité, non, ça m'intéresse pas du tout. On a l'Irak de ce côté-ci, mais ils ont pas de bateau, donc ils vont pas pouvoir nous aider si on attaque de l'autre côté de l'océan. Ce que j'aimerais quand même, c'est d'avoir de pouvoir gagner au niveau des technologies. On a monté notre puissance, mais pour l'instant, on n'a pas les revenus pour pouvoir avoir des... D'ailleurs, une force de missionnaire, ça m'intéresse pas forcément là. Par contre, baisser l'agitation nationale, ça m'intéresserait beaucoup plus. Voilà, mais on va finir, essayer de finir avec nos bateaux. Ça serait plutôt intéressant, je pense, vraiment d'avoir une flotte dont on puisse se servir en toute quiétude. Alors, c'est vraiment au Qatar que c'est le plus rapide pour construire nos bateaux. Et en plus, à chaque fois, ça nous fait monter un petit peu nos revenus. Ça, c'est important, ça. Voilà, excellente nouvelle. Donc, on va avoir des revenus supplémentaires. Ah, ils sont défensifs. Ils viendront nous aider que si on est attaqué. Ils viendront pas nous aider. C'est pas comme les Ottomans. Pour l'instant, ils sont en guerre contre pas mal de pays. Et ça serait bien que ça continue. On va voir comment ça se passe en Europe aussi, parce que suivant comment ça se passe, on pourra peut-être faire tomber les Ottomans. Ici, l'agitation est redescendue, ce qui est plutôt pas mal. Une agitation plutôt faible, ça m'intéresse. Le tout, c'est que ça continue. Parce que plus l'agitation diminue, mieux c'est. Hop là, si j'enlève pas la pause, on va avoir des difficultés à avancer. Allez, malheureusement on n'a pas beaucoup de diplomates aussi, ça c'est un peu gênant. Mais bon, il faut faire avec ce que l'on a. Et moi je surveille bien l'agitation de ce côté-ci. Plus ça monte, mieux c'est. Parce que s'il commence à y avoir... D'accord. S'il commence à y avoir des problèmes du côté des Timourides, ça pourrait être sympa. Voir si ça monte bien de 5 à 10% pour eux, pour ces fanatiques chiites. Nous, on les a pas, malheureusement. Donc on les a pas, heureusement, du moins. Mais c'est surtout que si ça vient, les Timourides viennent à éclater, ça nous donnerait une opportunité d'attaquer du côté de la Perse. Et ça pourrait être sympathique. On pourrait même essayer de vassaliser la Perse, qui pour l'instant a des problèmes de prétendants au trône, apparemment. Ça nous donnera peut-être l'occasion d'avoir ce territoire-là. Hein. Est-ce qu'il appartient à Koyunlu? Ouais, mais Koyunlu, ça, c'est un vassal des Ottomans. Alors, il faudra vraiment faire attention aux Ottomans. Hein. Ça sera pas une mince affaire. Parce que leur guerre, ils la gagnent facilement. Et pourtant, il y a l'Angleterre en face. Hein. Mais bon, l'Angleterre est relativement loin. Qu'est-ce que ça donne au niveau de l'économie? Ah, 6.37, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Voilà, on a une conquête contre le Yémen, on a une conquête déjà contre ce pays-là. Je vais voir si je peux créer une revendication et en même temps déclarer la guerre. Alors, attendez. Tac, tac, tac. Falsifier une revendication sur Quardo. Et ensuite... Est-ce que je peux faire quoi que ce soit ?
Voilà, bon, Balouchistan contre Sindh, on va voir ce que l'on peut faire. Est-ce qu'on est... Non, on n'est pas du tout demandé de ce côté-ci. Ils sont amicaux, mais ils nous aiment pas. Oui, forcément. Et qui a attaqué? Reconquête de Béla, d'accord. Ils veulent reconquérir ce territoire-là. Oui, si tu veux, mais c'est pas vraiment ce qui m'arrange. Puisque moi, j'aimerais pouvoir déclarer la guerre. Alors, j'aimerais bien prendre Mombasa, ça me permettrait de pouvoir attaquer. Par contre, je vais voir qui sont mes alliés. Il y aurait personne qui viendrait m'aider. Ce qui est pas très pratique. Pourquoi vous viendrez pas? À participer à plusieurs guerres. Y a pas de raison. Parce que moi je demande que pour une guerre et j'ai pas de raison. Vous êtes en guerre contre quelqu'un d'autre? Non, pourtant non. Alors je vais demander ici le droit, l'accès militaire pour pouvoir poser mes armées. Et après je vais déclarer juste la guerre. Il va juste falloir que j'emmène mes armées ici. Et normalement, je devrais pouvoir tranquillement. J'ai juste à faire ce petit trajet ici, en fait. Et ça devrait me permettre de déplacer mes armées. Voilà, il est en place. Une petite guerre sans nos alliés. Déclarer la guerre. Prendre bah, de toute façon Afoun, peu importe, on déclare la guerre et on va déplacer nos armées aux endroits nécessaires. Je vais quand même aller protéger. Hop là, toi, tu viens ici, s'il te plaît. Je vais prendre mes 21 navires. Pour éviter en fait qu'ils viennent essayer d'attaquer mon navire de commerce. Voire flouer, carrément détruire leur flotte, ça pourrait être pas mal. Allez, c'est bon, ils sont sur place. Et on a la possibilité de monter de niveau. Je vais attendre juste le niveau suivant, en fait, attendre janvier, voir si on peut gagner un petit niveau supplémentaire, ça pourrait être pas mal. Allez, décembre est là, et notre armée avance tout doucement. Le rival d'un rival, non. La province de... Dégâts Baour. Ben oui, ça je veux bien. Et elle se trouve où celle-là? Dégâts à Bure. Alors, voyons voir ça. Ok, bah ben, si, on va falsifier une revendication. Hein. Il n'y a pas de souci, dès qu'on peut. Au moins, ça nous donnera des points supplémentaires. Une récompense 25 points militaires, ça sera déjà pas mal. Allez, si on peut augmenter ça. Voilà, notre général qui arrive de l'autre côté, on va pouvoir déplacer nos armées. Et je pense que je vais peut-être même pas prendre tous mes bateaux. Je vais en prendre qu'une petite partie. Ce qui me permettra d'envoyer... commencer à patrouiller, non. De ce côté. Allez, à Bassora. Comme ça, avec une, j'aurai quand même une partie de mon commerce. D'ailleurs, Taïma. Hein, les Mamelouks ont une revendication sur nous. Ça pourrait ne pas être une bonne nouvelle. On est passé en janvier, ok. On peut construire les forts frontaliers, donc c'est celui qui nous permettra d'avoir beaucoup plus d'armées. Donc techniquement ça devrait aller. Je vais quand même... J'ai oublié une petite chose, c'est monter la maintenance de l'armée. Peut-être pas si haute. On va voir. En tout cas, essayer de maintenir pour l'instant un commerce.
Ouais, mon commerce 3,88, d'accord, bien quasiment 4. C'est pas suffisant. Mais au moins, ça devrait permettre plusieurs choses. Alors, je vais me déplacer en direction de Todir pour l'instant. Ce qui devrait être pas mal. Voilà. Pour voir où sont les armées adverses. Et je vais déplacer une partie de mes armées. Voilà. Parce qu'il y a quoi en face? Il y a 5 bateaux. Ouais, je vais peut-être même en déplacer. D'accord, pour la réforme impériale, même si ça m'intéresse pas des masses. Je vais prendre 4 bateaux. Et je vais les envoyer aussi à Bassora pour remonter mon commerce. Alors apparemment il n'y a pas d'armée ennemie, ce qui est assez étonnant. Mais on va essayer de prendre quand même un maximum de provinces, ce qui pourrait nous être pratique. Ok, donc on va aller détruire les armées adverses. On a là aussi la possibilité normalement de construire des canons, hein, si je me souviens bien. Normalement c'était au niveau 6, on n'en a toujours pas. Il faudrait qu'on corrige cette erreur là. En même temps les canons ça coûte extrêmement cher. Bien que ça soit très pratique. Hein. Et je pense qu'ils vont aller par ici. Je vais déplacer cette armée de ce côté là. On va essayer de siéger un maximum de territoire. Et de toute façon, une fois qu'on aura passé toutes nos armées, je vais pouvoir ranger mes bateaux et renvoyer l'ensemble de ma flotte patrouiller là où il faut. Pour m'assurer de ne pas avoir de soucis supplémentaires. Si je peux ne pas payer toutes mes armées, je vais pas dire non. Voilà, là déjà. D'ailleurs, je voulais changer ici de conseiller. Pas avoir une force démissionnaire, mais plutôt de l'agitation nationale plus basse. Ce qui me permettrait de pouvoir gérer tranquillement mes territoires de ce côté-ci. Sans avoir à me plaindre des possibles révoltes. Et après, je vais baisser la maintenance de mes armées. Et ça devrait me permettre de pouvoir regagner l'ensemble de mon commerce. Allez, voilà, le bateau, on va pouvoir le reposer dans le port. Ici, on va tout renvoyer du côté de Bassora. Et on va pouvoir baisser la maintenance de l'armée à nouveau pour se permettre d'avoir... ouais, je vais le baisser... bah à fond en fait, j'ai pas forcément quoi si j'ai besoin que ça se renforce quand même un petit peu, ça serait pas mal. Donc 4,90 ça sera très bien. Et à voir si le Balouchistan, oui il a l'air de déjà s'en sortir un petit peu. S'il a pas besoin de nous, au moins on garde des bonnes relations avec lui. Par contre, toi tu ne vas pas t'en sortir comme ça. Oh, ça c'est une erreur ce que je suis en train de faire. On va mettre l'économie, le moral de l'armée à fond. Et attendre un petit peu quand même. Que notre moral remonte, parce que sinon on va avoir un moral bien trop faible pour attaquer. Ça ce serait pas une bonne nouvelle. Il y a une armée ici qui est en train de se déplacer, pourquoi pas. Alors s'ils nous attaquent comme ça, c'est qu'ils pensent pouvoir gagner. D'accord, puissance commerciale plus faible. Je vais quand même envoyer mes armées supplémentaires. On écrase ces armées-là. Ok, ça c'est fait.
Ok, voilà. Morale des armées, on va pouvoir le rebaisser à nouveau. Quoi qu'on s'en sort, oui, mais on va éviter quand même temporairement, voilà, devoir payer plus qu'il ne faut. Je vais continuer à augmenter ma flotte de ce côté-ci. Et là, déjà, on va pouvoir un peu mieux gérer. Alors, pause. Ça, c'est pas mal. Voilà, deux bateaux supplémentaires. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, depuis Art of Wars, maintenant, si vous envoyez plusieurs bateaux protéger le commerce dans un seul territoire, ils vont se regrouper. Hein. Donc, ça peut être pratique. Hein, vous envoyez vos bateaux commercer à un endroit, et puis après, vous ne vous en occupez plus. Ils vont se regrouper. Aucun problème de ce côté-là. Là, ils sont en train d'envoyer des armées. Il va falloir peut-être qu'on revienne de notre territoire, qu'on aille siéger, pourquoi pas Mogadiscio, puisque c'est nos adversaires. On pourrait. Non, Mombasa, pardon. Et ok, revendiquer la province. Ok. Ok, ok. Donc, dans ces cas-là, ce que je pense faire peut-être, c'est d'aller vassaliser ce territoire-là pour l'annexer ensuite. C'est un territoire qui est sunnite, donc ça sera très bien. Si on a un vassal ici, peu importe, s'il vient avoir des revendications sur ses voisins, on pourrait tout à fait en profiter. Alors, bien sûr, il va falloir attendre 10 ans avant de pouvoir annexer quelqu'un d'autre. Hein, et on a beaucoup de relations pour l'instant, mais ça pourrait être intéressant. Surtout si on prend les territoires ici et que on s'en occupe ensuite. Ok. D'accord, ça peut être pas mal. Je vais virer mes armées pour l'instant d'ici. En plus, surtout que tant que leurs armées sont ici, on peut tout à fait les siéger du côté de Mombasa. Il va falloir récupérer quelques bateaux. Pour l'instant, on augmente notre commerce, on siège. Je pense que je vais prendre quelques bateaux. Hop là, construire quelques bateaux, une barque supplémentaire de ce côté-ci. Et on devrait pouvoir s'en tirer. Le siège se passe plutôt bien, qu'ils essayent de siéger ce territoire-là, peu importe au final. De toute façon, il est plutôt stable. Ce qui va être gênant, c'est que ça va faire monter un petit peu nos soucis de guerre, mais ça, à la rigueur, on pourra tout à fait gérer. Je pense que je vais prendre une partie de ma flotte. Je vais en prendre la moitié. Et je vais la faire venir ici en toute vitesse. Si elle peut attraper ces bateaux-là et les détruire, ça sera déjà pas mal. Et nous, ça nous permettra aussi, je pense, de pouvoir déplacer nos armées jusque à Mombasa. Une fois qu'on aura une armée là-bas, ça sera très bien. Allez, bataille navale. On a plus de morale qu'eux, pour l'instant un meilleur jet de dés, pas de commandant des deux côtés. Ah, pas de zéro, voilà, un 9 contre un 0, ça c'est une très bonne nouvelle. Notre flotte, ben, a l'air de plutôt bien se tenir. Voilà, déjà, leurs navires transport vont être coulés. C'est bon, de ce côté-ci, c'est fait. On va faire venir nos bateaux de là et je pense qu'on va pouvoir demander à cette armée de se rendre directement à Mombasa avec notre flotte. Du moment qu'ils n'ont plus de navire, on pourra tout à fait gérer ça. Et je compte bien vassaliser Mombasa. Faudra voir avec nos relations. De toute façon, les Mamelouks, on attend qu'il y ait un décès pour que ça se passe un peu mieux. Warsangali, je pense qu'on va pouvoir se permettre au bout d'un moment de. On va pas forcément s'en servir, donc peu importe.
Allez, je vais les renvoyer à Bassora de ce côté-ci. Allez, c'est parti pour Bassora. Oui, allez hop. Et voir si nos armées peuvent se poser. Voir s'ils peuvent poser leurs armées plutôt à Tanga. Pas éviter d'un combat tout de suite, ça m'intéresserait pas vraiment. Ils ont pas de chef actuellement, donc c'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux. Allez, est-ce que tu repars le bateau? Oui, ça serait bien. Voilà, c'est bon, on va pouvoir gérer ça. De ce côté-ci, les trois bateaux, vous vous regroupez. Et ils vont partir du côté de Bassora temporairement. Je vais regagner mon économie. Surtout qu'en plus là j'ai baissé mon le moral de la maintenance de mes armées. Je vais la remonter un petit peu pour qu'on puisse continuer le déplacement des armées. Quand on aura suffisamment, de toute façon, ça sera plus vraiment un problème. Allez, on enlève la pause. Pour l'instant, on ne demande rien. Et apparemment, nos alliés sont en train de remporter la victoire, en tout cas. Même si c'est que temporaire. S'ils arrivent à prendre Bella, ça pourrait être pas mal. Même si Sind a l'air de faire bien son travail. D'accord, ils se font peur mutuellement, ils dansent ensemble, tout va bien. Et est-ce qu'on peut demander le droit de passage à l'Éthiopie temporairement? Non, ils nous le refuseraient, bien entendu. Et par contre, il nous faut 2000 hommes. Et là, il y a aussi 2000 hommes. Donc, il nous en faudrait 6000. Donc, ouais, va falloir des régiments. Alors, je laisse ces hommes se poser à terre, et puis on se laissera là pour cet épisode, qui aura déjà bien duré, je pense. Qu'est-ce que c'est? De ce côté-ci, tolérance des hérétiques. Pour l'instant, non, je vais essayer d'augmenter mes doctrines. Enfin, mes technologies, plutôt. Ça, c'était pas vraiment ce que je voulais. C'est pas grave. D'accord, on a perdu deux revendications ici, bon on les gagnera peut-être. Conquérir Sana, accumuler de l'argent, non, bon, on verra ça. Hop là, je vais essayer de voir si cette bataille veut se passer correctement, ce qui serait plutôt pas mal. Alors on a gagné, ce qui est plutôt pas mal. Donc on va s'arrêter là pour cet épisode. On a gagné un petit peu de justesse, mais on a gagné quand même, donc pourquoi pas. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis au prochain. D'ici là, portez-vous bien. Salut !